On prend que tu galères un peu. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, il n'y a pas de place pour mettre les valises. Vraiment? Vraiment? Non, non. Eh bien, nous sommes dans un train JR en direction de Takayama. Environ 4h40 de trajet. Suite à une décision commune. Suite à une décision commune de dépenser la thune. Non, je veux aller à Nagano. Nous sommes à Nagano, ici. Et le brouillard nous empêche de voir quoi que ce soit. Tu me tiens la main? Ouais, je te garde la main. Le rituel du JR, on en prend l'habitude. Donc nous allons faire une pause d'environ 30 minutes à Nagano, histoire de visiter très très rapidement. Oh, c'est quoi ça? On a une demi-heure vite, mon frère. C'est quoi déjà ta connerie déjà hier? Poséidon. Poséidon. Mais non. Mais non. Poséidon. Le petit ride, hein. Pour une marque de Udon au fruit de mer. Yo! Il est chiant. Il est super chiant. Ça me fait trop plus chial le machin. Mais abandonnez-le. Bonjour. C'est cosy, hein. Konnichiwa. Bienvenue chez nous. Faites comme chez vous. Je me sens claustro. Vas-y, tends les bras. Non. Comme ça. On se balade et on court. Bonjour. C'est où le bichou? Bah là, on est dans le vieux quartier. Hein. On se balade. It might be luck, yes. Knowing see. The guy, it might be luck. I see. Okay, I'll stop asking questions. Idol Master is with the sponsor of the show. Là, en fait, on part complètement à l'arrache comme des oufs. On a payé une blinde, 60 balles, pour aller faire une putain de rando sous la flotte à 100% de précipitation avec l'orage. Et on va prendre le plus grand téléphérique d'Asie. Voilà. Donc si on n'en revient pas, si vous trouvez cette vidéo, bah vengez-nous. Il n'y a pas grand monde. Pas si froid que ça, vraiment. Froid non, après on va monter. Hein. On va essayer surtout de ne pas prendre, pas prendre la flotte. De ouf. Alors ça, vous voyez, ça,
Ça là, c'est les merdes que Kevin adore. Et genre, incompréhensible quoi. Ce truc est immonde et ça le rend ouf. Alors il a décidé qu'il allait faire son mec chelou. Et il claque, mais genre, ça coûte 5 balles quand même, hein, cette merde en plastique. Attends, il manque 500 là, tu peux demander. Vous avez pris vos lunettes de soleil, les gars ? Évidemment. Vu le temps radio qui s'annonce, on a tout de suite pensé à nos lunettes de soleil. D'ailleurs, il pesait les sacs à dos pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de poids et que le truc serait pas en surcharge. On va crever. Surcharge ! Mais t'inquiète pas, c'est peut-être le nigri de trop que j'ai mangé. Ferme les yeux, ferme les yeux. C'est parti. Allez, soyons pas pessimistes, il y a au moins 2 mm. Par contre, en gros, on va vraiment pas voir grand chose. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Bon, quand t'as fumé trop de weed, profitons de la vue. C'est rempli de fumée. La randonnée va être sympa. Et le premier compère, c'est fini, les gars. Donc personne ne bouge. Tu vois au-delà de ce que tu vois. Ouais, on voit bien au-delà de ce qu'on voit. Ok, c'est parti. Kevin s'évertue à mettre ses putains de lunettes de soleil en croyant que ça va changer quelque chose, alors qu'on sait tous que ça sert à rien. Mais pour lui faire plaisir, on va dire que c'est bien. Ok, nous y voilà. Il pleut ou pas ? Ouais, il pleut, ouais. Ouais, brume. C'est quand même bien humide. Hein. On va éviter de niquer la cam. Mais me filme pas, du con. Allez, les gars, on y est. Applaudissements pour Kevin. Bravo. Kevin l'a fait. J'en ai chié sa race. J'en ai chié, honnêtement, j'en ai chié ma race. Allez, c'est fini. Maintenant, ça descend. Vas-y, on y arrive. Ah, en fait, c'est pas toute la montée. Hein. C'est vers la fin que j'ai craqué. Totalement. Mais Kevin, on vient de faire une pause il y a 3 secondes. Le sommet. Ah, le sommet, ouais. Les gens, ils s'arrêtent ici, ils y restent. Hein. C'est sympa. On est trempé. On est trempé. Mais on l'a fait. Et ça, c'est beau. Putain, le marché du souvenir ici, c'est n'importe quoi en fait. Ça y est, je vous vois bien là, les gars. Ouais, c'était bien. Il est tout content. Commentaire un petit peu. Mettre là. Écoute, c'était sport, gros. Hein. C'était. Hop là. C'était assez sportif à certains endroits. Mais honnêtement, ça allait. Eh ben. Bon, oh non. Non, quel bâtard. Je vais te pousser dans la montagne. Mec. Tu vas prendre tellement cher. Oh, c'est sympa là. Non, attends, je peux le faire. Hop, je le fais, c'est bon. Merci. Nous avons le Père Noël avec nous. Ça, c'est du bon chemin de montagne qui tombe à pic. Des deux côtés. Ouais. On va pas trop le répéter, mais quand même, Kevin, ça tombe à pic des deux côtés, quoi. Pour ce qui est de mettre des rampes pour se tenir, ça non, hein. Mais alors des câbles 4G, ça par contre. Ouais, le passage au-dessus du vide, là, il était bien, bien. Hein.
頭皮油は臭くなる。だから金のデオシャンプー。油カレー臭まですっきり。金のデオシャンプー。匂わない。La story de la délivrance. La civilisation. Alléluia. On est où? Une idée. C'est quoi cette map? Il y a pas le nom de la ville où on est censé être. Oh, je ne peux pas le croire. 6 kilomètres. 6 kilomètres. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je sens plus mes jambes. Excuse-moi. Ça va tes jambes, Pichou? C'est des bâtons quoi. J'ai plus de jambes. J'ai plus de pieds, j'ai plus rien. Oh, ça fait du bien le dur là les gars. En fait, je suis trempé jusqu'au coude. C'est poétique. Ta mère. Un trou. J'ai survécu jusqu'à là. Je me prends le dernier trou de merde. Oh putain. Oh celui-là. Celui-là il est vicieux. Parce que... Ah ouais, il est profond le bâtard en plus. Vas-y, pars-toi. Ah, ouais. C'est magique. Ouais, tu peux. Le mec a des légers problèmes avec l'eau. Il pleut plus. Et il s'arrête de pleuvoir quand on descend. Mais on en a tellement chié. On est défoncé. Le monde se fout de notre gueule. Il a putain de plu non-stop. Après, tout le long du trajet. Avec la coupe de cheveux qu'on a et les cheveux trempés, on peut faire une pub Head & Shoulders. Ouais, je crois, ouais. Au-delà des nuages. J'ai froid. J'ai vraiment super froid. Trop froid. Il s'en bat les couilles. Et nous voyons ici le Kappa Bridge pour lequel nous avons marché comme des gros bâtards. La vue est assez cool quand même. En fait, un kappa, ça ressemble à un prêtre ou un moine tout rouge. Grenouille. Non, c'est vert. Hein. On sent que t'as mal, hein, quand même. Et Kevin en fait trop. Il en fait beaucoup trop. Attends, il est rentré dans un truc, là. Il a l'air d'y faire chaud. Ah non, moi, je sors plus. Hein. Je rentre dans un truc... Tu peux invoquer les kappas, mec. Ouais. Est-ce que c'est un okaparina? Je l'ai. この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。Moi là, j'étais dans ce pic là-bas. Hein. Plus là-bas, je dirais. Plus là. Plus droit à gauche, là? Ouais. Oui. Non, je dirais plutôt celui qui. Derrière l'arbre. Ouais. C'est pas de la bouffe que j'ai à la main. Train.
Tiens, nous sommes à Kanazawa. Il te filme. Ouais. Il filme, je sais pas quoi, quelque chose comme moi, oui. Quelque chose comme moi. Donc on va aller manger. Peinture, là, il se reconnaît comme sa mère. Et après, on va au jardin des 4 saisons. Voilà. Wow. Menteur. c'est pas le même. Mythomane. Hein. Tu nous auras pas avec ta moustache. C'est un postiche. Alors on y va ? Non, ça c'est une salle d'arcade. Ben on y va ? Non. J'ai pas été encore dans une salle d'arcade. On est au Japon, tu te fous pas de ma gueule là un peu. Tu disais quoi ? Les collégiennes. On sentait qu'elles étaient en adolescence parce qu'elles étaient disgracieuses, un peu comme les Pokémon du milieu. Tu sais que c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre à un pays ça ? Ça a l'air d'être fou. On est là. Il faut rentrer là pour le. Hein ? Est-ce que tu nous aurais pas un petit peu induit en erreur ? Je crois que je me suis trompé de route. Bon. Ouais, ok, ouais. Kevin ! Tu vas rire ! Mais. On croit que c'est pas par là en fait. Il est monté en plus. C'était quoi ça? Une tentative de meurtre. Arrigato. Arrigato. Et c'est parti pour l'exploration. Je sais pas ce qu'elle cherche. Enfin, la bouffe sur moi. Tu n'as aucune poésie. Ah, ça me fait rire, putain. Vous ne le voyez peut-être pas assez bien, mais ces deux Français sont en train de chasser des personnes en kimono. Dès qu'une jeune femme en kimono passe, ils ne peuvent s'empêcher de pointer leur gros objectif sur elle. Ces femmes peuvent sentir par moments le danger, et donc du coup, essayer de fuir. Cela n'empêche pas les chasseurs de kimono de continuer à pratiquer leurs actes répréhensibles. Excusez-moi, pardon. Je l'ai eu. Pas du tout, je l'ai pas eu du tout. Elle s'enfuit, telle. Ah, c'est bon. Râle pas, putain! Au moment où je shoot, il y avait la lumière du soleil. Tu shootais quoi? Vite devant. Tu shootais quoi? Je shootais le kimono. Voilà. Putain, grave. Ok. Oh! Qu'est-ce qui. On va se faire chier dessus. Becter, mon gars, on va s'arracher les yeux, ouais. Tu vas becter à mort. Bon, c'est. Incroyable. D'efficacité. Non, mais ils sont tous partis, hein. Ces instants de solitude incroyables qui sont. Ça va. Un peu d'autorité quoi. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Ils sont pas contents quand tu les entends, bande d'enfoirés.
le Shinkansen est en route. Ouais, je sais, mais c'est plus sympa quand c'est une qui le manipule. Et Pichu nous a annoncé quelque chose de triste qui va super bien avec cette musique. C'est la moitié du voyage. Ok. On va dire, ouais, j'ai fait mon coming out. Pas encore, Pichu. Ça, c'est la fin du voyage. Non, ce sera cette nuit. D'où la musique dramatique. Vous allez bien vous amuser, tous les deux. N'oublie pas, Pichu. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas dans qui tu es. On le met là et il fait un petit voyage dans le. Alors, fin du challenge. Donc, comparaison des résultats. Ah, team petit joueur. Hein. Plus un dessert. Hein. 4 assiettes, plus un dessert. C'est pas fameux, hein. On t'a connu plus en forme, un mot. Non mais j'avais pas très faim et j'ai pas voulu faire mon gros port. Deuxième pile. Bon, on peut le dire, voilà, j'ai choisi la voie du milieu, j'ai pas été au bout, j'aurais pu faire mieux. Ouais, ça fait quoi d'être à la fois obèse et ruiné? Je me dis que j'ai encore un peu de place quand même. Tu peux me mettre un peu de haut, s'il te plaît? Oui, je fais ça.